Coucou les loulous! Alors, aujourd'hui, activité mathématique. Je vous rappelle le jour, nous sommes jeudi aujourd'hui. Voilà, activité mathématique. Donc, pour cela, il faut que moi j'ai un saladier. Sauvez-moi, c'est une casserole. Et ensuite, on prend les bouchons de la dernière fois. D'accord? Je les cache volontairement. Vous allez devoir fermer vos yeux. D'accord? Et je vais faire tomber un certain nombre d'objets dans ma casserole. Vous allez devoir écouter et dire à la fin combien de bouchons j'ai mis dans ma casserole. On fait un exemple? Attention, vous écoutez bien, on y va. Combien d'objets j'ai mis dans la casserole? Combien de bruits vous avez entendu? Moi, j'en ai fait deux. Donc, vous avez dû entendre deux bruits. Regardez. Un, deux. D'accord? Vous êtes prêts à jouer? Là, vous avez vu mes mains. Mais je vous demande quand même de fermer les yeux. Comme ça, vous entendrez beaucoup mieux. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Vous fermez les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux. Combien d'objets je viens de mettre dans la casserole? Vous répondez, papa et maman comptent les points. Attention, je vous donne le résultat. Dans ma casserole, j'avais mis un bouchon. Très bien. Nous continuons. Vous refermez les yeux. C'est parti. Combien d'objets de bouchons j'ai mis dans la casserole? Vous avez donné votre réponse? Allez, nous vérifions. Dans la casserole, j'ai mis 1, 2, bouchons. Nous continuons? Allez, refermez les yeux. C'est parti. Attention, écoutez bien. Vous pouvez ouvrir les yeux et donner le résultat. Combien de bouchons j'ai mis dans la casserole? Vérifions. Dans la casserole, j'ai mis 1, 2 bouchons. Si vous avez donné le bon résultat, vous gagnez un point. Nous continuons. Vous refermez les yeux. C'est parti. Vous pouvez ouvrir les yeux. Combien de bouchons j'ai mis dans la casserole? Nous vérifions. Attention, dans la casserole, j'ai mis 1, 2, 3 bouchons. 1, 2, 3 bouchons. Très bien. Allez, on fait une... encore une fois. Vous fermez vos yeux. Allez, c'est parti. Vous pouvez ouvrir les yeux. Combien de bouchons j'ai mis dans la casserole? Combien vous avez entendu de bouchons tomber dans la casserole? Nous vérifions. 1, 2, 3, 4. Je vous montre. 4 bouchons. 1, 2, 3.
très bien. Une dernière fois, fermez bien les yeux. C'est parti. Vous pouvez ouvrir les yeux. Combien de bouchons j'ai mis dans la casserole? Vous avez donné votre réponse? Vérifions. Dans la casserole, j'ai mis 1, 2 bouchons. Très bien. Alors, si vous voulez le refaire à la maison, papa et maman peuvent jouer. Vous pouvez jouer aussi. Vous pouvez vous mettre les bouchons et demander à papa et à maman combien vous avez mis de bouchons. C'est toujours vous qui vérifiez. D'accord? Très bien. Ensuite, je vous propose un autre petit jeu, un peu plus compliqué. Donc, les enfants doivent toujours fermer les yeux. Vous devez toujours fermer les yeux. Toujours avec le même matériel. D'abord, je mets un objet. L'enfant dit combien d'objets j'ai mis. Là, par exemple, j'ai mis 1. On lui demande de refermer les yeux et on rajoute des objets. Donc, dans la casserole, il n'y a plus 0 objet comme avant. Il y a un certain nombre d'objets. Donc, moi, pour l'instant, j'en ai 1. Et je viens rajouter. Donc là, j'en ai rajouté 2. Mais sachant qu'au départ, j'en avais 1, l'enfant doit pouvoir dire que maintenant, dans la casserole, il y en a 3. D'accord ? Attention de ne pas dépasser 4 objets dans la casserole. D'accord ? Vous avez compris ? Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.